Francis Morello. Je croyais que les choses iraient mieux une fois qu'on serait sortis. C'est une forêt. Ça peut être n'importe quoi. Je suis déjà morte de trouille, pas la peine d'en rajouter. Je donnerais la couille gauche de Charlie pour être à Topeka en ce moment. Je l'ai. Putain de merde. Oh. Je crois que je vais vomir. On lui a tranché la main. Avant ou après sa mort? Comment je peux le savoir?
T'entends ça? Quoi? On dirait... Des gémissements. Est-ce que... Tu crois qu'elles sont là? Il faut trouver une entrée. Imagine qu'elle soit morte. Une chose à la fois. Allez, on entre. Agent Frank Hooper, j'ai découvert qu'un ou plusieurs individus ont accédé sans autorisation aux pièces à conviction archivées au 1612 West State Street. Parmi les objets manquants, des éléments récupérés dans l'appartement de l'ancien agent du FBI, Hector Monday. Livres, vêtements, des notes, des instruments chirurgicaux et du matériel dentaire. Selon notre théorie actuelle, les individus impliqués seraient des chasseurs de trophées à la recherche de souvenirs de l'affaire.
Fin du rapport. Monsieur Dumet, je veux qu'ils soient morts. Je les amènerai ce week-end. Et voilà. Jamais de la vie j'ai dit ces conneries. Tellement que ça marche que j'ai dit amen à tout ce qu'il voulait. C'est un montage. Assez réussi d'ailleurs. C'est convaincant. Pourquoi me piéger? Il a l'intention de me coller tout ça sur le dos? Hector Whelan Mundy. On dirait qu'il y a un autre bateau sur l'île. Bordel de merde. Je préfère tellement les chiens. Ah, c'est quoi ce boucan, ça va? Ouais, c'était une saleté de chat. Allez! Jamais de la vie.
Briser les scellés est un crime fédéral. Génial! Wow! La vache! Ah. Te voilà enfin. Je ne t'attendais pas si tôt. Tu es en avance pour une fois? Ah. Tu es un monstre égoïste. Depuis le début. C'est quoi ce bordel? Hé! Hé! Vous êtes qui ? Putain ! Toujours affilé sur ta page préférée. Petit merde prévisible. Je te connais. Oh, ouf. Ce n'est que toi. Ah. Oh. Oh. T'as pas vu Marc ? Il va bien. Il essaie de faire fonctionner ce putain de phare. Marc ? S'il te plaît, dis-moi que tu m'entends.
C'est pas vrai. Ah. Tout le monde, les mains en l'air, tout de suite. Il les a tués. Silence, taisez-vous. J'ai dit tout le monde, les mains en l'air. Vous êtes là, heureusement. Vous allez nous aider. Tant que j'ignore ce qui se passe ici, personne ne bouge. Le bateau. Vous vous fichez de moi ? Seigneur ! On y va! Attrape l'arme! Ça va le faire. Oh. Non, ça marche pas. Oh, le démarreur. Ah, là. Merde, démarre. On est sauvés. C'est terminé, enfin. Pas tout le monde. Ah!
Eux. Je ne peux rien faire pour vous. Vos titres rock préférés reviennent sans interruption juste après ça. Les pubs, non merci. Oh. Oh zut. Merde! Je me suis redressé. Et ils étaient là, plantés au beau milieu de la route, à agiter les bras comme s'ils sortaient tout droit de l'asile. Et vous, d'où veniez-vous ? De Fort Wayne. Je conduisais depuis 3h du mat. Ça fait tôt. Bah, en fait, j'essayais d'arriver au port pour 8h. Je suppose que c'est fichu maintenant, hein ? Ça me semble compromis. Tu sais quoi? Je vais y réfléchir pour le studio à Brooklyn. Je vais voir si ça peut marcher. Après ça, ça me dit bien de repartir de zéro. Ouais. C'est... Promets-moi que tu me tiendras au courant. Et tu me promets de me donner tes conseils même quand je te les demanderai pas. Compte sur moi. Tu veux une clope, mon gars ? Pour tout vous dire, j'essaie d'arrêter. Ah.
Oh, vous êtes là. Toutes les bonnes choses ont une fin, certes. Mais était-ce une bonne fin pour notre équipe? La plupart sont en vie, mais hélas, quelqu'un n'a pas eu cette chance. Alors, repose en paix. Erin, la petite nouvelle a surpris tout le monde par son courage, mais elle chante désormais en compagnie des anges dans le ciel. Et qu'en est-il des survivants? L'expérience les a-t-elle changés? Kate avait un secret. Elle a été marquée par un événement survenu il y a bien longtemps, mais elle a affronté la chose qui l'effrayait le plus au monde, et elle a survécu. Jamie a appris qu'elle devait se fier aux autres et travailler avec eux. Mark, il a dû arrêter d'attendre qu'on lui dise quoi faire. Il a fallu qu'il trouve sa propre voie. Et Charlie, il a enfin compris que l'autorité ne suffisait pas pour diriger une équipe. Il a su la traiter comme son égal et au moment opportun, lui laisser les commandes. Je me chargerai des formalités demain matin. Vous savez où se trouve la sortie? Ce fut, comme toujours, instructif. Nous nous reverrons, je n'en doute pas. Un jour prochain. Adieu. Le déroulé des événements est encore incertain à l'heure actuelle. Mais nous pouvons confirmer qu'à 7h30, un routier a été stoppé pour apporter son aide. La police alertée s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les survivants font partie d'une équipe de tournage, Lonit Entertainment, la société qui produit la série documentaire Architecte du meurtre. Oh bah merde alors. Ils semblent avoir approché d'un peu trop près leur sujet d'étude cette fois. Et malheureusement, certains n'ont pas survécu. Quoi qu'il en soit, le calvaire est maintenant terminé. J'hallucine! Vous savez que ma vidéo est devenue virale? Comment tu veux qu'on l'oublie? T'arrêtes pas de nous saouler avec ça. Quoi? Ouais, j'ai fait le nombre de vues qu'il fallait pour gagner un grand concours. T'as gagné quoi? Un voyage tout frais payé dans un hôtel sur une île, pour 5. Là, tu m'intéresses. Ouais, Monsieur Dumet nous enverra une limousine et tout ce qu'il faut. Oh! Ça va être le gros truc de ouf! Won't you spare me over to another year?
placebo. Oh death, oh, oh death, won't you spare me over to another year? Now death, if this is true, please give me time to reason with you. From time to time you heard and saw, so I'll close your eyes and I'll lock your jaw. I'll lock your jaw so you can't talk. I'll fix your feet so you can't walk. And I'll dim your eyes so you can see. This very hour, now come with me. I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another year? I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another year? Now, death, please give me time to fix my heart and change my mind. Your heart is fixed, your mind is brought. I'll have your shackles to drag you down. Too late to all farewell. My dawn is fixed, I'm summoned to hell. As long as God in heaven shall dwell, my poor soul shall burn in hell. I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another year? I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spirits are high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out.